3, 2, 1. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure de regarder la vidéo. Nous comptons entrer la caillou après-midi pour nous voter pour Flash Sport. Il y a une rubrique qui est toujours passée sur Flash TV Haïti. Pour voter pour ça, c'est moi, Marc Adonai Jean et puis Justin a joué manœuvre technique là pour nous. Avant de commencer à jouer, pas oublier de commenter pour que nous qui ça ou t'as pas attendu ou bien qui ça va attendre la rubrique ça et puis tout. Ben nous avons une idée en plus. Et puis tout, like et puis partager pour plus de points capables de toucher. Et dans la rubrique ça, mais quelques points qui parlent dominer la rubrique ça, nous allons parler de la Ligue des Champions, nous avons historicité et puis nous avons quelques points qui parlent dominer la Ligue des Champions ça. C'est tout point ça avec un pilote qui parle faire la rubrique là, nous avons marqué un coup de pause et puis nous avons tourné. Arly La Rivière, en concert, le dimanche 17 avril sur la scène de l'Olympia à partir de 20h pour une soirée inoubliable. Retrouvez le King du compas, Arly La Rivière, avec son groupe New Look pour un show exceptionnel pour fêter les 25 ans de carrière rempli de tubes et de hits pour un spectacle inédit. Dimanche 17 avril, dès 20h, New Look et Arly La Rivière vous invitent pour ses 25 ans de carrière sur la scène de l'Olympia. Un concert signé ACP. Infoline 06 51 48 58 92. Nous tenons après pour ça, nous allons parler de la Ligue des Champions. Eh bien, qui est la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est une compétition UEFA. Lorsque dit UEFA, ou c'est instance qui a joué et causé football sur le continent européen. UEFA, c'est Union Européenne Football Association. En fait, la Ligue des Champions, ancienne, on liste les Coupes d'Europe des clubs champions. Depuis dans l'année 1955, elle va commencer avec non ça et puis la finir en 1992, elle va la Ligue des Champions UEFA, mais ancienne non c'était Coupe du monde des clubs champions. Et bien je dis là c'est instance UEFA qui a joué la Ligue des Champions, c'est sous catégorie continentale et européen, n'a joué 67e édition année ça 2021-2022 et puis déjà sur une période annuelle, ça veut dire que c'est son année qui est joué et participants aussi 32 qualifiés et puis 79 participants. Ça veut dire 79 équipes qui ont une possibilité pour jouer jusqu'à ce qu'ils prennent 32 qualifiés. Ça a commencé depuis 2017. Et bien, comment une équipe capable de participer dans la Ligue des Champions? Donc, il y a des débuts champions en titre ou de qualifier direct pour ascendant et compétition. Eh bien, je nous dis là, la Ligue des Champions, année, ça n'a vu 67e édition. 66e, nous connaissons Chelsea qui prend face à l'équipe Manchester City, à un goal à 0, un goal de Kai Havertz, ça va le marquer pour Chelsea. Eh bien, Chelsea, nous connaissons qui prend 2e Ligue des Champions après 2012, il y a pas le champion sous équipe Bayern de Munich dans sens d'être sur Obi côté qui et Didier Drogba t'a pas tiré dernier sur Obi c'est là. Eh bien, année ça, c'est 67e édition, nous pour jouer n'a pas dans quart de finale. Donc quart de finale, il y a un pile belles affiches notamment comme Paris Saint-Germain qui est éliminé et n'a vu des affiches comme Chelsea vs équipe Real Madrid. N'a pas songé ça qui est passé dans l'année 2020 côté qui équipe Real Madrid a été éliminée par équipe Blues Londres. Eh bien, année ça, est-ce qu'il y a guerre revanche ou bien ça? C'est une question qui a été posée. Eh bien, mais nous parlons du calendrier avec programmation. Programmation qui va commencer demain mardi avec l'équipe et Benfica qui a recevoir l'équipe Liverpool et puis l'équipe Bayern de Munich qui a recevoir l'équipe Villarreal. Programmation quart de finale à la Ligue des Champions, mais comment l'y appuyer? Équipe Benfica a recevoir l'équipe Liverpool. Benfica nous connaît qui c'est un club portugais qui a fait une belle saison. Benfica a quitté éliminé l'équipe Ajax Amsterdam et Liverpool a. Et j'aime te dire, pour la CAI qui Benfica, j'aime te dire. Eh bien, pour moi, c'est que Liverpool qui c'est un club anglais qui situe dans la ville, merci, qui situe dans la ville Liverpool même. Ça fait me dire merci, c'est parce que c'est Rivière qui sépare lui-même avec l'équipe Everton. L'équipe Manchester City, toujours demain, pour l'équipe Atletico. Dans le tirage, c'était Manchester City qui t'a brisé. Mais comme Atletico Madrid, c'est champion en titre, et puis l'équipe Chelsea a obligé. Il t'a obligé de recevoir un match là. Atletico, c'est champion, obligé de recevoir un match là. Nous connaissons qui a avantage qui gagne le recevoir avec
le recevoir après match avec les ou aller en déplacement, nous avons avantage ça. Les mêmes ligues, je veux dire, l'équipe Manchester City, c'est le cas, l'équipe Atlético. Et puis, dans mercredi, Chelsea a le cas Real Madrid dans Santiago Bernabéu. Chelsea qui est un club londonien, l'équipe Real Madrid, là, nous connaissons qui est un club espagnol qui a pris l'équipe Chelsea. Chelsea, nous connaissons qui est champion en titre. Real Madrid, c'est l'équipe qui prend plus Ligue des Champions. C'est 13 Ligue des Champions. Équipe plus tard dans la foulée, Villarreal a pris l'équipe Bayern de Munich. Villarreal qui c'est Medi qui c'est une équipe qui a épaté un peu le monde parce que l'équipe a éliminé Juventus de Turin. Des équipes comme Ajax par là, Inter de Milan par là, c'est Villarreal là, c'est pas un cadeau quand même. L'équipe Juventus, ça nous connaît, qui prend trois Ligue des Champions et puis qui arrive, perdu devant l'équipe Villarreal là, qui a pris l'équipe Bayern de Munich, c'est un club allemand qui sortit dans la ville Munich. Et bien, nous allons faire un bref débrief sur le match football ça. L'équipe Benfica, qui s'en a attendu lui-même. En fait, il y a une équipe qui élimine Inter de Milan qui c'est Liverpool qui va jouer avec l'équipe Ajax. Ajax qui était fait 9 sur 9 dans la phase de groupe et arrivé éliminé pendant qu'il était fait match nul. La Cali puis Albat Ajax dans la ville Amsterdam, c'est pas un petit causé ça fait. Mais l'équipe Liverpool là qui a fait une belle saison qui était bat Inter dans Fiefri dans Giuseppe Meazza, mais malgré tout perdu 0 dans Anfield là, mais ça va empêcher de qualifier pour quart de finale. Liverpool Benfica qui s'en attend en fait. Le pas courir dire bataille David contre Goliath parce que c'est le foot chaque équipe qui avait un joueur. L'équipe Benfica joue une belle saison et d'un pour l'équipe Liverpool là. Mais quand même statistique pour aller du côté des Reds parce que nous connaissons c'est avant champion titre après c'est champion 2020 et puis Chelsea va champion 2019. Ça veut dire qu'il y a fait une belle saison avec Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota et n'a pas de Virgil van Dijk qui est nommé à l'arrière central, Alisson Becker, peut des Kanté et Matip et puis nous parlons de terrain, n'a pas des comme Anderson, Fabinho, Belgrade qui a un bel niveau football, n'a pas Thiago Alcântara qui a bien joué. En fait, donc on dit que Liverpool gagne un léger avantage devant l'équipe Benfica. Sur le papier, mais ça pas le fait sous terrain quand même, c'est 50-50, li api. Manchester City, Atlético Madrid, nous connaissons ces deux formations qui sont totalement différentes. Manchester City, c'est ballon, c'est avec li fait tout ça là, fait je vous dis, Atlético Madrid, n'a pas rappelé une équipe ça, li tennis, et avec Cholo, c'est sans ballon, plus fait ça à faire. L'aime dit ça, ça va dire, il fait tout match à sans ballon, mais c'est pressing parfois, il fait bloc bas et puis opérer par des comptes. Et sous quitter le bon ça va danger pour eux. Mais là, avec l'équipe Manchester City, il faut choisir le ballon quand même, c'est danger la pire. Guardiola qui va le retrouver, tu le Pablo Simeone. Guardiola nous connaît qui était évolué dans le championnat espagnol, qui connaît Atlético Madrid très bien, il fait le passé des misères. Et bien, il va jouer dans la Ligue des Champions. Et bien, Manchester City nous connaît qui c'est finaliste. Le haut fait final, quand même, et compétition qui a venu quand il y a un final, il y a un champion. Idem, même gens, ça se trouve l'équipe Liverpool devant Real Madrid. Là, Liverpool fait champion, fait final avec Real Madrid. Il fait final 7, mais il a obtenu pour la faire final encore. Et puis ça a venu arriver qu'il fait final avec l'équipe Tottenham. Il a battu 2 goals à 0. Pour un peu le monde, c'est une finale qui était plus rase. Non, ça c'est nous habitué de là. Si on finit qui pas pas tellement belle d'ailleurs dans 2002 je t'avais gagné penalty au penalty côté qui si Soko t'avais levé totalement des positions de hors jeu puis penalty Mohamed Salah t'avais transformé l'angle et puis l'autre bola t'avais bien pas Diop Origi qui était joué en superbe demi-finale parce qu'il était fait 2 goals devant FC Barcelone mais malgré ça dans la finale l'entraîneur a été choisi mettre sous banc pour Roberto Firmino et tout dans même songe qui était fait un superbe remontada. Ce qui Ajax a frappé Lucas Moura qui a fait 3 goals et puis dans la finale pour qu'il s'était choisi mettre le sous banc. Manchester City Atlético Madrid nous avons connait City a gagné ballon mais qu'on y a là est-ce qu'il est capable de faire dernière décision. L'équipe Choloa si bloc bas opéré par des comptes est-ce qu'il peut choisir faire ça devant Manchester City nous pour connait mais ça nous connait sur un match qui cap vraiment et cap problème en pile attente parce que c'est pas quand même c'est si c'est pas le faire jouer dans nos connaissances mais c'est on a payé le bail qui gagne le fait tout match avec ballon et puis qui a fait 2-3 contre-attaques sur la tête chargée ça nous ouais ça en pile fois d'après une dernière Manchester City Tottenham Mourinho avec Guardiola côté qui City fait tout match avec ballon et puis le petit dégueulasse après match il a estimé de Mourinho comment faire qui fait tout le temps avec ballon et puis dit ah ben au final moi aller avec 3 points. Bon, ça c'est City mais, et puis Real Madrid et Atlético Madrid là. Je vous dis ce match va vraiment équilibré mais Manchester City qui ont
un avantage en plus parce que nous connaissons qui c'est un favori pour Ligue des Champions. Ça, en mercredi, a bien Real Madrid qui a recevoir l'équipe Chelsea. Dernier match, nous connaissons Real Madrid qui a recevoir Ligue des Champions. C'est contre l'équipe Paris Saint-Germain. Côté le débat, 3 goals à 1, 3 goals de Karim Benzema. Et puis, goal Paris Saint-Germain, tu as inscrit par Kylian Mbappé, l'autre Real Madrid. Qui pourrait gagner soit vengeance ou sentence parce que d'après nous saison 2020 c'est l'équipe Chelsea qui était éliminé en aller et puis de Golazio au retour. En plus monde fait connait que Zidane te fait mal à Vinicius parce qu'il te choisi faire jouer ailier droit dans match ça et puis Eden Hazard comme ailier gauche. En fait saison ça Vinicius gagne toute balle dans main il gagne pour comme ça pour prouver que c'est méchant si Zidane t'a fait mais malgré la fait une belle saison mais c'est première partie de saison monsieur qui était plus belle mais deuxième partie quand bien même monsieur qui sept l'a joué mais il va porter même rendement Chelsea nous connaît qui perdit devant Brentford ça veut dire et avant match ça Chelsea perd 4 goals à 1 il était mené sur l'équipe Brentford là et ça t'est impressionné dans match ça c'est parce que Rudiger t'a fait un superbe goal mais après ça 4 goals sans doute toujours t'es toujours numéro 10 en soi ça veut dire Rudiger t'es toujours à assister les dégâts ça veut dire Real Madrid avec équipe Chelsea Rudiger nous connaît qui était très proche équipe Real Madrid là mais ça veut éloigner de temps en temps équipe Real Madrid là vengeance au centre pour Real nous pour connaître Chelsea c'est champion en titre Real Madrid c'est qui prend plus de des champions nous connaît ça très bien Thomas Tuchel pour que j'aime perdre devant équipe Real Madrid là qui que ce soit Paris Saint-Germain qui que ce soit Borussia Dortmund et puis équipe Chelsea quelques duels cap gagner dans match ça Eden Hazard qui blessé en fait qui pas là mais c'est beaucoup toi cap là pour jouer contre ancien club Mendy c'est beaucoup toi des belles parties qui fait belle saison Thiago Silva Eder Militao Brésil sans doute Marquinhos sont pas capables de jouer. En Thiago Silva Militao qui est capable de jouer pour expérience Thiago Silva toujours même parce qu'il a des rendez-vous Militao capable toujours jouer si toutefois il y a un attaquant qui a baillé défense. Problème duel lancé Thiago Silva avec Alaba et puis Rudiger avec Militao. Duel ça vraiment semblé parce que les nèg ça nous connaît les Allemands duel 7 c'est pas premièrement c'est pas faute là non plus important mais c'est avec rage pour aller dans duel en fait ou Rudiger Militao c'est pas l'autre duel et puis l'autre duel intéressant qui a gagné dans match football ça je nous connais déjà c'est Kanté et puis Casemiro pas songer saison passée Kanté pour compléter Boué Trident nous connaît qui pousse Modric Casemiro il était bon pour compléter et puis en attaque sans doute c'est Karim Benzema qui va en faire soit Kai Havertz ou bien Lukaku mais pour saison sans doute c'est Kai Havertz mais via ça nous connaît Lukaku fait dans le jeu de football ça déjà tant que neuf c'est sans doute c'est Benzema qui va en face et ou bien Lukaku l'autre duel encore c'est Real Ancelotti face et face Thomas Tuchel quand même c'est un élève avec un professeur pour ça Ancelotti fait dans le jeu de ça déjà m'a pas quelqu'un pour le prouver, c'est un grand entraîneur, mais c'est le premier entraîneur qui t'a supposé prendre 5 championnats majeurs, à savoir la Ligue 1 française, c'est à italienne, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande et puis et la Liga espagnole. Okay. En fait, Real Madrid pourrait jouer avec l'équipe Chelsea. Avantage, qui est-ce qui est avantage? Bon. En fait, c'est à supposé un match 50-50, mais via dernier match je m'a dit pour Real Madrid te bat 2 goals à 1 c'est toi c'est 2 goals sur penalty et puis tu as une chance pour te faire 3-1 c'était un troisième penalty Benzema t'a pas raté en fait Real Madrid bat Chelsea perd c'est capable dire que ça a fait un impact sur match football ça et via nous connaît que public c'est un deuxième homme Real te bénéficier ça rappelle dans l'équipe Paris Saint-Germain ça pas rendre fait remonter très facile sur l'équipe Paris Saint-Germain en deuxième période surtout OK Real Madrid, Chelsea, pourcentage, je pense que Chelsea a un pourcentage en plus que Real Madrid parce que le football a joué à déranger Real Madrid en pile, en pile, en pile. A savoir, si je joue à Pulisic, même que Real Madrid a gagné 6-7, même parce que Pulisic, Havertz, Mason Mount, n'est pas capable de faire Real Madrid parce qu'il va aller très rapide. Et l'autre désavantage Real Madrid, c'est gagner c'est dans lenteur dans le milieu de terrain avec Casemiro et puis Toni Kroos. Yo gagne un véritable entête. L'autre match qu'a gagné dans mercredi c'est Villarreal qui va jouer avec l'équipe Bayern de Munich. Villarreal, je nous dis là c'est une comme de garder ça là. Bon c'est une équipe mon pas esprit qui t'a là parce que tu tombé face équipe Juventus de Turin qui va jouer avec l'équipe Bayern de Munich. C'est pas en Espagne match pour ça jouer quand équipe Villarreal là, non, Ceramica. En fait,
Bayern Munich, Villarreal, Bayern Munich, nous connaissons qui ça représente dans la Ligue des Champions. C'est déjà 6 Ligue des Champions. Dernière, c'était en 2020 face à l'équipe Paris Saint-Germain. Un goal à 0, un goal de 15. C'est comment? Étonnamment, c'est un joueur qui a crucifié l'équipe Paris Saint-Germain. Qui nous a fait une rubrique sur l'équipe Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas notre rubrique. En fait, Villarreal, Bayern Munich, qui ça on est capable de dire à partir de match pour ça? Je suis capable de dire que si Juventus était au top, je suis capable de dire un léger avantage Bayern Munich sur Villarreal. Raison très simple. Parce que si allez si par exemple 2017 2018 2016 on équipe au bat Juve, c'est quand même son gros équipe parce que Juve était nommé à l'époque, mais qu'on y a une équipe au bat Juve, c'est vrai, c'est toujours Juventus là, équipe qui fait plus finale et puis perd plus finale Ligue des Champions, quoi, c'est 8 de récent aussi de 2015 avec 2017 face Barcelone avec face équipe Real Madrid là. Et ben Bayern Munich Villarreal, nous pas courir monter sur l'équipe Villarreal là, vous avez pour nous dire qu'il n'est pas qu'à faire un bagage. Et puis tout, Bayern Munich a un déplacement. Même que l'équipe ça a un déplacement, ça n'y a pas négocié. Parfois, il crase aux gens. Dans l'absolu, ça a fait l'équipe Barcelone dans une série 4-3, ça veut dire 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Nous sommes ça a fait l'équipe Barcelone. Ça veut dire qu'il a habitué à faire mal avec l'équipe madrilène. Il me semble que j'ai fait l'équipe Atlético Madrilène mal comme ça. Tout. Mais l'équipe, est-ce qu'on est capable de gagner un souvenir avec l'équipe Real Madrid qui toujours fait des misères avec l'équipe? Et quoi ça? En fait, Bayern Munich, Villarreal. Et Bayern Munich gagne avantage là, largement, à mon avis, largement, même si c'est souterrain, ça va jouer. Automatiquement, avec la pour Bayern coup d'envoi. Il y a toujours largement, mais depuis le ballon centré, et position à 50-50 depuis via attendre la réalisation vini. Quand il y a là, quart de finale, qui ça nous attend dans le quart de finale comme ça? Nous quart de finale qui vraiment belle, c'est le match qui est équilibré, c'est Villarreal équipe. Avec l'équipe Bayern Munich. Là, match fort, à mon avis, c'est pour le Real Madrid Chelsea. J'aime bien dire que c'est champion en titre avec l'équipe qui a pris ce titre. Et puis l'autre match encore qui est décisif, c'est que l'équipe Simeone, parce que Guillaume a obtenu la Ligue des Champions, c'est bien dommage, il est tombé face à l'équipe Manchester City qui a la recherche de la Ligue des Champions. Il était battu Manchester United 7, mais Manchester United 7, oui, c'est non, mais ce que ça a fait pendant la saison, c'est vrai. Série n'a pas battu tous les deux matchs, il a été neutralisé dans le premier match et puis il a battu 1-0 dans le retour. Parce que il a gagné tout le pour faire devant l'équipe Manchester City. Bref, nous n'avons pas parlé de Ligue des Champions, nous n'avons pas des records qui vraiment est fait dans l'histoire de Ligue des Champions. Meilleure attaque Ligue des Champions, je ne connais déjà, c'est l'équipe Bayern Munich qui marque 30 goals, l'équipe Manchester City qui marque 23 goals, et puis l'équipe Ajax Amsterdam qui marque 22 goals, qui déjà éliminé. Puis bon défenseur, c'est Real Madrid, qui marque seulement 5 goals, idem pour Chelsea et puis l'équipe Bayern Munich. Ça veut dire Bayern non plus dans une meilleure attaque, il a une meilleure défense. Ça veut dire que ce n'est pas pour ça raison qui nous pense que c'est un match qui peut aller moins belle sur le papier. Ça dit Bayern Munich équipe Villarreal. Nous parlons de meilleure attaque championnat ça, mais joueur qui fait plus de goals dans championnat ça. Non proposition ça excusez, nous déjà connaissons Robert Lewandowski et puis Sébastien Haller et puis Karim Benzema et puis bon passer sans doute c'est Bruno Fernandes, le Wasané et puis Vinicius Junior. Nous pas le fini, mais avant de finir nous pas bon surprise, c'est pas à mon avis, c'est pas plus bon 11 Ligue des Champions. Here we go. Comme gardien Iker Casillas, c'est une formation qui cap 1-3-4-3 avec j'aime dire Iker Casillas en backant comme super gauche, arrière central super gauche. Bruno Carabzi arrière central gauche, c'est pour Paolo Maldini, arrière central Puyol, arrière central droit c'est Joao Ramos. Dans le milieu terrain, c'est 4 monde, c'est pour Xavi, Toni Kroos et puis là prend Paco Gento sans oublier là prend Iniesta. Et puis en attaque, on prend Cristiano Ronaldo, Léo Messi et puis on prend calendrier quart de finale à la Ligue des Champions, mais comment l'appeler, équipe Benfica après se voir équipe Liverpool, équipe Manchester City après se voir équipe Atlético Madrid, c'est pour le demain mardi. Et puis mercredi, après Real Madrid qui prend jouer à l'équipe, l'équipe qui après se voir équipe Chelsea, raison que fait Real Madrid pap car en déplaçant, c'est parce que Atlético c'est champion en titre et puis l'a déplacé à l'équipe Manchester City.
Mais bref, palmarès de Ligue des Champions, Real Madrid qui prend plus de titres, c'est 13. Mais il y a des compétitions, ça, histoire, c'est Cristiano Ronaldo, 141. Mais il passe encore Cristiano Ronaldo, 42. Le monde qui joue plus de matchs dans la Ligue des Champions, ça veut dire plus d'apparitions, c'est Cristiano Ronaldo, 187. L'équipe champion, c'est l'équipe Chelsea qui sortit dans le pays d'Angleterre, dans la ville de Londres. C'était un plaisir pour me porter le rubrique pour nous. Nous sommes Marc Adonai Jean, c'est Joss McDavid, manette technique là pour nous. Et rester connecté avec nous, c'est facile. C'est abonné avec Flash TV Haïti qui passe sous lui, c'est Flash Sport. Nous sur Facebook, Twitter, Instagram avec nous, c'est le nom Flash TV Haïti. Merci tout le monde, rendez-vous à MC pour l'autre rubrique. Lundi, cap fini là. 3, 2, 1.